Une demande officielle sera faite au niveau du gouvernement pour initier une enquête sur la vente d'un terrain et le non-paiement de la taxe sur cette transaction. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général du Parti travailliste, Deva Virasormi. Nos camarades ministres de Finances, si tu as un signe au membre dans MMM, il a acheté un statement de 1 million de roupies, il vend 50 millions. Il fait profit 49 millions de roupies profit. On paye taxe, là, ça. Nous, au niveau du Parti travailliste, nous pouvons faire une demande officielle au gouvernement. Nous pouvons dire, faire de l'enquête. Là, ça, signaux membres du MMM, là, qui ne fait transaction, il gagne 49 millions de profit et pas de paye taxe. Deva Virasormi a aussi parlé de la situation qui prévaut au sein du MMM. Le leader de ce parti, selon lui, pratique le communalisme scientifique. Comment l'épisode Sam Lotan finit? Nous trouvons deuxième l'épisode Abdullah Hossein. Côte Béranzé, Pévin propose une madame, nous ne prenons rien contre madame là, Lizzie Ribot. Comment candidat dans numéro 19. Et là, nous visons une stratégie de Béranger, qui, comme on nous connaît, un spécialiste dans communalisme scientifique. Les Vinis ont dit, pour venir dire, ils visent mettre des populations générales avec un tamoul de Vendagalingom dans numéro 19. Et ils écoutent un candidat musulman, parce qu'il a son esprit, il pensait, parce qu'il a habité, divise la communauté, c'est sa spécialité, ça. Il pensait qu'il allait faire ça, il pouvait gagner majorité de votre population générale, dans le numéro 19, avec votre tamoul. Mais nous souhaitons le bon sens, parce qu'il nous connaît, qui population générale, il déjà peut réaliser qu'ils ont n'est plus dépôt fixe personne et qui, quand arrive le moment, pour prendre décision, pareil comme à tout le monde les autres composantes de la nation mauricienne, pour prendre décision pour parti, pour leader qui peut travailler pour toutes les composantes de la nation mauricienne. James Buddy David a lui comparé le MMM à un bateau qui va à la dérive avec un capitaine en détresse. Nous persistons à une véritable naufrage du MMM. Et nous avons une démission en cascade et en rafale. Et cette démission-là peut continuer. Et il vient de confirmer par le leader du MMM lui-même qui a annoncé qu'il pourrait avoir d'autres secousses et d'autres démissions régionales d'un MMM. Donc ça ne coule pas nous qui pouvons dire. Le leader du MMM vient avouer la défaite, il peut avouer qu'il a les autres secousses Pévini. James Batty David ajoute que Paul Béranger donne une vision déformée de l'histoire. Il annonce la tenue d'une conférence sur l'affaire Cheikh Hossein ce jeudi pour établir certains faits. Autre thème abordé, la position du MMM face à l'Electoral Boundaries Commission. Nous souhaitons et nous pouvons faire tout pour que l'Electoral Boundaries Commission qu'il travaille dans la sérénité. Deuxièmement, qu'il garde sur l'indépendance. Troisièmement, qu'il n'y pas subir aucune pression d'aucun politicien. Et quatrièmement, qu'il soumette ce rapport, comme d'habitude, au Parlement. Également à l'agenda de cette rencontre avec la presse, la grève des années 70. Pour Deva Virasormi, c'est une période triste de l'histoire de Maurice, une grève qui a paralysé l'économie du pays. Il ajoute qu'à l'époque, Saoussou Saga Ramgoulam et le Parti travailliste ont pris les bonnes décisions pour sortir le pays de la crise. Le Parti travailliste a également présenté ses condoléances aux familles des personnes décédées de la grippe A. Deva Virasormi ajoute qu'il ne faut pas utiliser une maladie pour faire de la politique.